Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Parole de femmes édition de ce 14 août 2018 parle d'un thème assez intéressant. C'est un phénomène auquel beaucoup de personnes sont confrontées dans la société. C'est un phénomène qui peut parfois créer d'énormes problèmes quand on n'a pas fait attention à ce qu'on dit et à ce qu'on entend. Ce soir, dans le cadre de cette tribune libre qui est ouverte exclusivement aux femmes, nous parlons du commérage. Le commérage dans les salons de coiffure qui sont des lieux justement où des personnes se rencontrent, passent des journées, ça dépend de la coiffure qu'on voudrait avoir. On peut y aller pour 30 minutes, une heure, voire une journée et plus, ça dépend. Alors pendant ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. On échange avec parfois des personnes qu'on ne connaît pas, des fois on dit certaines vérités, on s'ouvre même, on se confie. On en parle dans un court instant avec mes invités. En Afrique, plus précisément au Cameroun, on appelle ça le Congossa, pour parler couramment. Mais on parle du commérage, des personnes commères, des personnes qui n'hésitent pas à raconter des histoires, des personnes qui sont toujours là à s'occuper de ce qui se passe chez l'autre. Et on a choisi de faire un focus ce soir dans les salons de coiffure qui sont des lieux par excellence, le brassage. On vient des différents horizons. Chacun vient avec son humeur. Chacune vient avec son humeur. Chacune a son histoire. Elle va rencontrer sa coiffeuse qui devrait certainement lui faire une coiffure de son choix. Et pendant ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui sont dites en échange, des choses qui peuvent parfois porter préjudice. On en parle ce soir avec nos invités, mais avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une femme qui allait très souvent se coiffer pas loin de son domicile. Elle vit dans la ville de Yaoundé, plus précisément au quartier Ngousso. Ils sont nombreux qui nous regardent depuis ces quartiers-là. Alors, il se trouve que la dame était très ouverte et elle avait l'habitude de se confier à sa coiffeuse. Elle parlait très souvent de ses problèmes de foyer. Quand elle avait des problèmes, des soucis avec son mari, elle venait là, toute triste. Elle parlait, elle se confiait. Sa coiffeuse essayait de lui remonter le moral en lui donnant quelques conseils. Jusqu'au jour où après, son mari commence à changer. Et puis un jour, elle voyage. Elle est censée faire 2 mois à l'extérieur. Elle fait quelques semaines, elle revient sans prévenir. Et elle trouve sa coiffeuse chez elle. Elle s'est installée chez elle. Elle avait commencé à entretenir une relation avec son mari. Quand elle a mené son enquête, elle a découvert que chaque fois quand elle était chez sa coiffeuse, quand elle lui parlait de son mari, alors la coiffeuse avait déjà développé un certain faible. Et même elle avait pris le temps d'enregistrer le numéro de téléphone du mari de sa cliente. Parce que qu'elle t'assise, la coiffeuse avait tout le temps d'enregistrer le numéro de téléphone. C'est comme ça que de fil aiguille, elle appelle le mari. Et puis commence à entretenir leur petite relation jusqu'au jour où la cliente découvre l'histoire. Il y a eu des problèmes. Elle était obligée de quitter le quartier. Elle a fait pratiquement 6 mois. Elle ne voulait plus voir son mari. Ils ont fini par arranger, mais elle a dit que plus jamais elle n'ira plus dans un salon de coiffure situé dans le même quartier où elle réside. On en parle certainement. Il y a beaucoup de femmes qui ont certainement vécu de pareilles histoires. Certainement, des hommes aussi. En tout cas, ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, nous avons choisi de parler du commérage dans ces lieux-là. Et j'accueille sur ce plateau Danica Moussongo. Bonsoir, Danica. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Danica? Je vais bien, et vous? Très bien, merci. Danica Moussongo est célibataire, sans enfant. Elle est infirmière, elle vit à Bipanda, elle a une passion pour le cinéma et elle déteste justement le commérage. Vous n'aimez pas les personnes commères. Là, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Danica, vous allez souvent dans les salons de coiffure. Hein? Oui, oui, oui. Bon, avant que vous nous parliez de l'ambiance, de comment est-ce que vous vous comportez quand vous êtes dans ces lieux-là, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue? Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, cette dame. Quand vous entendez une telle histoire, vous qui fréquentez justement les salons de coiffure, qui avez peut-être certains rapports avec vos coiffeuses, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une pareille histoire? Franchement, Julie, je ne sais vraiment quoi dire. Moi, j'avais l'habitude d'aller dans les salons de coiffure, mais avec tout ce que je vis, tout ce que j'entends, je préfère appeler la coiffeuse qu'elle me coiffer à la maison. Ah bon? Parce que franchement, ça ne vaut pas la peine avec elle. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Elle s'occupe de toi. Tu dis, non, voilà, je veux me coiffer et puis je veux que tu fasses la coiffure que je veux. Elle dit, non, 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 la forme de ta tête, ça ne va pas aller comme ça. Je te propose telle coiffure. Et du coup, une de ses copines arrive, non seulement elle serre ta tête, elle ne te gêne même plus, elle n'aime plus par rapport à toi, elle cause et puis franchement c'est déplorable. Et l'histoire de la dame que je racontais? Bon, franchement, c'est... Je ne sais vraiment pas, je sais vraiment quoi, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. J'aimerais pas me mettre à sa place. Découvrir que votre coiffeuse a une relation avec votre mari.
Là, c'est vrai que nous sommes des Bantous. Et puis, j'aime mon mari. Puis, je vais faire quelque chose à la dame, même si c'est dans la sorcellerie. Vous allez déjà vous venger. Oui, je vais me venger. D'accord. Sans blague. Très bien. Stéphanie Fomming est aussi là. Elle vient de très loin. Fidèle téléspectatrice de Paroles de Femmes. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir, Julie. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ce soir sur le plateau de Paroles de Femmes. Merci. Stéphanie vit au quartier IAI Libreville, c'est au Gabon. Tout à fait. Du Gabon. Oui, elle est camerounaise. Tout à fait. Oui. Vous êtes là pour vos congés. C'est ça. Et vous avez tenu à participer. Exactement. Très bien. Vous êtes mariée, mère de 4 enfants. C'est ça. Et vous êtes passionnée par la cuisine. Exactement. Vous détestez l'hypocrisie. Alors là, ah oui. Très bien. Stéphanie, on parle du commérage dans les salons de coiffure. Oui, Julie. Déjà, j'ai raconté une histoire. Vous avez bien écouté l'histoire. Oui, j'ai très bien suivi. Bon, pour ça, c'est pour la dame, c'est une cliente qui arrive tout le temps, elle parle au téléphone, allô, avec elle le mari, confie, voilà. Et puis c'est maintenant la coiffeuse qui fait tout pour avoir le numéro de la dame et sort. Ok, le numéro du mari pour sortir avec le mari de la cliente. Voilà, ça veut dire que les coiffeuses, elles ont en fait, je ne sais pas où bien, c'est perdu carrément la dignité de femme. Parce que aller jusqu'à prendre le numéro du mari d'une cliente pour sortir, et puis elle est revenue découvrir que le mari est maintenant avec sa coiffeuse. Bon, c'est vraiment très triste comme histoire. Très triste comme histoire. On aura le temps de parler de cette histoire-là et de parler de beaucoup d'autres histoires que vous vivez quand vous êtes dans ce lieu-là. Elle est là, justement, une coiffeuse. Hein. Elle meurt d'envie de parler. Il y en a aussi qui sont juste à côté, qui vont certainement entrer. J'accueille sur ce plateau Corinne Niato. Bonsoir, Corinne. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Corinne? Je vais très, très bien. Corinne Niato est mariée. Elle est mère via quoi? Elle est passionnée par la musique et la coiffure. Madame la coiffeuse, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Paroles. Un plaisir partagé. Alors, vous avez suivi l'histoire que je racontais tout à l'heure. J'ai suivi l'histoire. Votre collègue. Julie, franchement, je n'aimerais pas être à la place de cette femme-là. D'accord. Je n'aimerais pas être à... Parce que prendre le mari de quelqu'un, ça fait vraiment très mal. Mais je vais d'abord poser la question. Comment une coiffeuse fait pour avoir le numéro de ton mari? Toi, tu es cliente. Tu viens te coiffer. Comment elle a fait pour avoir le numéro de ton homme? Déjà, il y a une négligence de la part de la cliente. Il y a une négligence. Quand tu as ton homme, tu sais que les hommes sont ce qu'ils sont. Tu dois être méfiante avec le numéro de ton mari. Et en plus, la coiffeuse n'a pas pris ton téléphone, elle a fouillé sûrement. Tu as dû lui raconter des histoires qui concernent ton mari et ça a donné envie à la coiffeuse. Et justement, vous qui êtes dans ce corps-là, comment vous retrouvez dans la coiffure? Parce que qu'on comprenne déjà. Comment vous retrouvez dans ce métier? Il ne faudrait pas qu'on pense que les coiffeuses sont les ratés, les gens qu'on a ramassés dans la rue et on n'a pas pu faire quelque chose, du coup, elle se met à faire de la coiffure. Il y a des gens qui ont des passions, qui savent coiffer de naissance, que c'est leur métier. D'accord. Maintenant, tu suis ta formation. Imagine ton parent te paye ta formation, tu suis ta formation, tu as tes petits moyens, tu ouvres ton petit salon. Et puis, carrément, un matin, quelqu'un vient s'asseoir dans ton salon. Tu n'as même pas envie de parler. Elle se met à te raconter sa vie. Comme tu vois, le gars là, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Du coup, tu es obligé de participer à la conversation pour qu'elle se sente à l'aise chez toi et que demain, elle puisse revenir. Parce que si tu entres chez quelqu'un, imagine, je dis, j'entre chez toi, je te salue, je m'assois, je me mets à parler, tu me regardes, tu ne dis rien. Franchement, je vais me sentir gênée. Et quand je sors là, je ne vais plus jamais entrer chez vous. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce sont des clientes, en fait, qui viennent provoquer, qui viennent vous raconter leurs histoires. Ce sont les clientes. Quels sont vos rapports avec vos clientes? En fait, moi, j'entretiens de très bons rapports avec la majorité de mes clientes. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire... La majorité, donc, il y a des formes. Oui, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On peut pas, dans la vie, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont dire que non, elle m'a fait ci sur les cheveux, elle a volé mes mèches, elle a tiré mes cheveux. Ça ne manque pas, en fait. Ça ne manque pas. On vit avec, ce sont les difficultés du métier. Donc, quand tu es coiffeuse, tu dois d'abord t'attendre à ces choses-là. D'accord. Quand on parle de rapport, ça veut dire que vous vous comportez comment envers vos clients?
Moi, en fait, je suis gentille avec mes clientes. Je suis gentille quand tu arrives, je t'accueille bien, je suis sympa et tout. Mm. Pour que tu te sentes à l'aise dans mon salon de coiffure. Mais qu'est-ce que vous reprochez alors à ces femmes-là? Je leur reproche de trop parler. Je leur reproche de trop parler, en fait. Mm. Parfois, une cliente... Elle parle plutôt de vous, elle dit plutôt que ce sont les coiffures qui parlent plus. Julie, imagine une femme, elle se lève carrément de chez elle. Elle vient te une femme mariée en plus. Elle vient te raconter les affaires de son show. Donc, une femme mariée, de son amour, en fait. Elle ne se soucie même pas du fait qu'il y a d'autres clientes autour et tout. Elle est là, elle sait pas qui est assis là. Elle raconte les commérages de son homme. Il m'a fait ça. Mm. Elle ne sait pas que ça peut entrer dans les oreilles de son mari. Mm-hmm. Et si même une autre cliente, dans les oreilles du mari? Il y a les gens, un salon de coiffure, tout le monde est libre d'entrer et de sortir. Tout le monde est libre d'entrer. Je ne peux pas dire à quelqu'un, ne n'écoute pas ce qu'elle est en train de dire. Mm. Voilà, donc parfois ça peut fuiter de n'importe où. Ouais. Et du coup, on accuse les coiffeuses. Oui. Danica. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Mm. Premièrement, je ne suis pas d'accord parce que les coiffeuses sont des voleuses. Non, c'est gros. Non, c'est pas un métier noble, on respecte ces femmes-là. Non, je sais, moi je dis ce que j'ai vécu. Qui peuvent faire, voilà, parlez de votre expérience. Oui, je dis ce que j'ai vécu. Pour votre cas, ne généralisez pas, parce qu'il y a beaucoup de respect pour ces femmes-là. Voilà. J'arrive dans un salon de coiffure, parce que je suis une fille, je suis tellement pressée. Je vais, j'entre dans un salon de coiffure, on s'occupe de vous et puis je rentre. Donc, je m'en fous de ta vie privée, je m'en fous de ce que tu as fait chez toi. Coiffe-moi et je rentre. Parce que c'est inadmissible que j'entre dans un salon de coiffure. Non seulement elle perd le temps, elle s'occupe de mon téléphone. Je suis en train de WhatsApper elle, maman, le gars, là, c'est ton problème. Ce n'est pas ton problème. Non seulement elle est lente, sa collègue coiffeuse arrive. Elle commence à taper les commentaires. Non seulement elle serre ma tête. Et puis elle dit que. J'ai dit à la dame que maman, pardon. Doucement, non, elle dit que. Pardon, coiffe-moi, je suis pressée, il faut que je rentre. Et que maman, c'est la bouche qui coiffe. C'est pas la bouche qui coiffe. Mm-hmm. Tu vois, c'est pas la bouche qui coiffe. Mm-hmm. Et du coup, quand nous venons avec des greffes du genre, des greffes qui coûtent cher, elle, tu vois, quand tu ne vois pas le derrière de ta tête, il y a des salons de coiffure, il y a plein de miroirs. Oui. Tu vois, elles coupent, elles ont souvent les blouses. Tu vois, elles coupent, elles mèrent, elles coupent, elles cachent, elles coupent, elles cachent. Vous pensez que non, vous pensez que quoi? Non, franchement, c'est pas sérieux, Julie. Mm-hmm. C'est pas sérieux. Une voleuse ne peut pas être coiffeuse. Ouais, tu ne peux pas voler tout le temps et puis les gens viennent chez toi. Déjà, tu ne peux pas être une voleuse et puis les gens viennent tout le temps chez toi. Déjà. Et arrêtez de dire, moi, ma mèche coûte cher. Les coiffeuses s'achètent même les mèches que vous, les clientes, vous êtes parfois incapables d'acheter. Parfois elle pose des questions. Quand tu arrives là avec la mèche, oh, tu as pris ça où? Tu as acheté où? Elle fait à tout prix. Tu as eu ça où? Bon, c'est ça, tu poses des questions C'est pas mauvais, si on s'intéresse à ta greffe, ça veut dire qu'elle est bien. En fait, les coiffeuses, moi j'ai un souci avec les coiffeuses. D'accord, votre souci c'est quoi Stéphanie? C'est qu'elles aiment s'occuper de la vie des clientes. Exactement. Quand tu arrives, par exemple, quand vous êtes déjà un peu... Bon, tu arrives aujourd'hui, tu te... Oui. Quand vous avez un peu de familiarité, bon, tu arrives, tu te coiffes, elle commence à... Comment vont les enfants, le mari? Tu as eu ça ou quand tu expliques peut-être non, peut-être mon monsieur m'a offert. Mm-hmm. Bon là alors, elle sent que non, il faut que... Elle pose des questions en fait. Elle pose des questions peut-être même... Parfois si elle voit mon chef d'être constant, tu arrives tout le temps et puis tu as peut-être les bonnes mèches pour venir te coiffer. Elle pose des questions et peut-être là elle est en train de te sonder. Hein? Mm-hmm. Ah oui, elle prend les indices et tout pour finir. Mais peut-être pour, je sais pas, parce peut-être pour sortir avec le mari, comme vous avez raconté tout à l'heure, Julie. Non, pas forcément. Il y a les coiffeuses qui sont des femmes respectables. Mais attendez-vous, mais Julie, vous venez de raconter tout à l'heure une histoire dans laquelle toutes les coiffeuses ne sont pas des... Avec le mari de la cliente. Ça c'est des gars qui arrivent, mais c'est pas chez tout le monde. Mais généralement, parfois... elle a dit, Danica, oui, là, si c'est pour les mèches, non, là, alors, c'est, là, c'est grave. Voilà. Surtout quand la mèche est un peu chère, tu vois, elle te fait un truc, là, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Après, tu vois, elle fait ce qu'on fait avec la mèche jaune ici en bas, le noir en haut, parce qu'elle a pris chez X, Y, et tout. Mais c'est exactement ce qui se passe. Non, c'est votre avis, en fait. Vous êtes libre d'avoir vos avis. Mais nous, dans les salons de coiffure, en fait, moi, dans mon salon de coiffure, je ne connais pas ce qu'on appelle piquer à gauche, piquer à droite. Parce que Et le commérage, alors, Julie, c'est grave. Le commérage vient d'où?
Mais le commérage de Diendou. Par exemple, c'est toi qui viens avec tes ragots, elle est obligée de t'écouter. Et elle t'écoute même parce qu'elle veut te faire plaisir. Non, 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 c'est faux. Même pas parce qu'elle est coiffée. Elle n'a aucune intérêt. Elle n'a pas d'intérêt. Ne parlez pas tout à la fois, s'il vous plaît. Oui. Je disais ceci. Le commérage vient d'où? La coiffeuse ne va pas rester tout seul à se mettre à parler des gens, c'est toujours vous. Mais vous posez les questions. Vous posez les questions. Vous cherchez à savoir. Vous venez avec des histoires à nous raconter. Du coup, on est obligé de vous écouter. D'accord, vous faire plaisir. Très bien, on va écouter Stéphanie. Oui, Julie. Qui est revenue sur le thème, justement, puisqu'on parle du commérage dans les salons de coiffure. Voilà. Les salons de coiffure sont devenus, je ne sais pas, la maison, la source du commérage. Parfois, tu arrives là, Julie. Tu es assise, peut-être il y a une cliente qui était avant toi. Tu es assise là, maman, c'est que tu écoutes. C'est la magie. Tu vois celle qui vient de sortir là. Ah la coiffeuse, celle qui vient de sortir là. Ah, pardon, quand elle vient ici là, je la coiffe même parce que elle ne paye même pas. Hein? Pourtant, c'est faux. Hein? Est-ce que c'est faux, vous payez même? On ne paye pas pour vous. Vous ne payez pas. Prends le nom et dépose. Toi, tu es assise. Hein? Mmh. Parfois, tu fais peut-être, tu manipules le téléphone. Pendant qu'elle est en train de coiffer l'autre, toi, tu es assise. Tu écoutes comment l'entre. Celle qui vient de sortir, toi-même, tu te rends compte. Mais tiens, si moi aussi, je me coiffe après et que je sors, peut-être c'est le même. Ouais, tu fermes ta bouche, tu te coiffes et puis tu sors. Non, tu fermes ta bouche, tu te coiffes et tu sors. L'autre. Ou bien quand elle commence à parler, tu dis, madame, arrêtez, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas d'accord. Quand vous coiffez, quand une coiffeuse te parle mal, tu dis, ou bien quand elle commence avec ses ragots, tu lui dis, non, je suis là pour me coiffer, s'il te plaît. Fais ça avec les autres, mais avec moi, arrêtez. Tu vois, quand on se coiffe, peut-être quand on reprend un coup de fil, elle n'est plus concentrée sur la tête. Déjà, elle écoute ce que tu es en train de dire. Si tu es en train de mal parler, déjà, ou bien si tu es en train de gronder ton mari, de gronder un enfant. Oh. Après, tu raccroches, c'est elle qui entame la conversation avec le gars, c'est ça que les hommes sont. Les enfants sont toujours comme ça. C'est elle qui commence la conversation. Pourquoi nous, on fasse quoi? Alors, la meilleure attitude, donc, c'est laquelle, mesdames? Arriver au salon et se coiffer. Après se coiffer, partir. Exactement. C'est vrai que à force de se coiffer, on finit par avoir un peu d'affinité avec la coiffeuse, mais il ne faut pas trop rentrer dans les détails. Oui, tu te coiffes et puis tu sors. Mais c'est vrai que parfois, même quand tu n'as rien à dire, dès que tu sors, là, elle te critique. Oui, elle te critique avec d'autres coiffeuses, d'autres clients qui sont là. Exactement. Vous qui êtes, qui avez quand même la chance à la fois d'être ici et ailleurs. Est-ce que c'est pareil? C'est pareil, oui, peut-être là-bas c'est même pire. Oula! Mais oui, c'est pareil, puisque les attends, femmes... Il nous regarde, aïe. Ah oui, c'est pareil, c'est pareil, Julie. Ça se passe comment là-bas? C'est pareil comme ici, vous non? Vous avez vécu une scène qui vous a marqué, par exemple? Oui, par exemple, une femme qui arrive, peut-être apparemment elle avait un peu d'affinité avec la coiffeuse. Bon, quand elle arrive, elle explique ses problèmes. Nous sommes là, on a 6 ans, on attend notre tour. Bon. Elle arrive, elle peut expliquer, oh, comme tu vois, j'ai un peu si. Mais non, la coiffeuse fait semblant de peut-être lui donner les conseils. Mm-hmm. Elle dit non, il faut peut-être faire ça. La dame dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Peut-être quand elle tourne le dos, c'est la même coiffeuse qui dit, ah, la dame qui vient de sortir là. Tu te rends même compte, mais attends, elle vient se confier chez toi. Mais prends un peu comme si, mets un peu à la place de cette dame. Ouais. C'est pas. Généralement, les coiffeuses, Julie, elles sont comme ça. Rares sont celles qui font vraiment leur métier avec vraiment l'amour du métier. Donc, vous dites qu'à Libreville, c'est peut-être pire qu'ici. Oui, parce que même là-bas aussi, elle critique. Il y a des bagarres des fois, dans les salons. Oui. Bon, par exemple, une cliente, bon, pas peut-être bagage, emporté main, mais ça se dispute vraiment dans les salons. Par exemple, au niveau de la mèche, je reviens sur les mèches. D'accord. Ah oui, parce que les coiffeuses, quand elles sentent que la mèche là, c'est une mèche qui a un peu de certaines valeur. Certaines coiffeuses. Bon, ok, certaines coiffeuses, Julie. Voilà. Oui, quand elles. Là, c'est un peu de valeur. Parfois, il y a les clients de coiffure qu'il y a derrière, il n'y a pas le miroir. Oui, exactement. Hein. C'est ah oui, quand les femmes devraient apprendre à vérifier quand même qu'il y a le miroir devant et derrière. Oui. Comme ça, là, quand elles. Parfois, par exemple, la mèche est au sol, tu vois, elle prend, elle. Après, tu te rends compte que mais, quand la mèche. Touche la tête, c'est pas qu'elle, c'est rien. Parfois, il y a une. Mais c'est comme, puisque la petite infime partie qu'elle a enlevée, elle ne peut pas se coiffer avec. C'est comme ça qu'elle prend chez elle prend chez l'autre cliente, et ainsi de suite. Et après, elle se coiffe avec. C'est ça. Et même quand nous entrons dans les salons de coiffure, tu vois, tu dis que ma soeur, c'est le prêt, je n'ai pas assez d'argent. Tu tournes le dos là, c'est ton nom qui est au carrefour, chaque jour elle est toujours comme ça. Chaque jour, la femme, elle aime l'argent. Mais si toi-même tu es comme ça, arrête d'être comme ça et tu payes ta coiffure. Quand tu n'as pas l'argent, tu restes comme ça. Tu n'es pas obligé de parler. Vous n'êtes pas obligé de parler. On est obligé de parler. On est obligé. Quand tu ne payes pas, comment tu veux qu'on ne parle pas? S'occuper de la vie des clients. Voilà.
C'est la partie là. Même qui s'occupe de la vie des autres. Comment on va s'occuper de votre vie? Pas la vie des coiffeurs. Vous venez avec les ennuis même qui ne nous concernent en rien. Vous portez vos problèmes du quartier. On n'était pas avec vous au quartier. On n'était pas avec vous. Oh, machin, ma voisine là aujourd'hui, c'était chaud. Elle a bagarré avec son mari. On était dans votre cité. On n'était pas là. Mais quand elle vient expliquer les bagarres là, la coiffeuse aussi ne fait pas semblant de dire elle n'est pas concernée. Elle est obligée de faire genre. Pour que Non, vous n'êtes pas obligé de t'écouter. Moi, si elle te sentit mal à l'aise dans le salon, et puis quand tu vas sortir, tu vas plus vouloir venir. Non, pourquoi? Contentez-vous de vous. Justement, parlez-nous de votre métier. Ça dit ce par quoi? Ce que vous êtes obligé peut-être de subir, entre guillemets, pour pouvoir mettre vos clientes à l'aise. À l'aise, franchement, Julie, on en reçoit tellement, on souffre trop, les coiffeurs souffrent trop. Les clientes et les mèches, on essaie. Parfois, tu ne touches même. Elle vient avec une petite mèche comme ça, elle te dit je veux la Rihanna. Une coupe qui doit prendre au moins deux paquets de mèches. Elle dit que c'est petit, on a volé elles la. Elles sont exigeantes. Elles sont exigeantes et en plus, elles ne payent pas bien. On est obligé de subir leur ragot. On n'est même pas là quand elles vont faire leurs choses, mais on vient. On accumule, on a. Quand Génie, tu la partie le de soir, on ne paye pas bien, c'est là, c'est pas. Parce que quand on rentre le soir, c'est tellement stressé. On s'entend. Oui. Si par exemple, on s'entend pour 3000 et que la coiffeuse est encore, il n'y a pas après de qui se fait voir. Oui, Julie. Il y a les femmes qui viennent au salon parce qu'elles veulent se faire voir. Ah bon? Elles s'assoient comme l'enfant de je ne sais qui. Elles s'assoient et disent fais-moi ça, une coiffure peut-être qui coûte. Le problème, c'est qu'elles viennent se faire voir. Elles viennent se faire. Attends, laisse-moi aller au bout de, madame. De ma pensée. Elles viennent se faire voir dans le sens où elles s'assoient, elles disent fais-moi ci, fais-moi ça. Quand tu finis, elle te dit qu'elle te tend 2000. Est-ce que vous avez fait le prix avant? Elle te tend 2000, une coiffure qui coûte peut-être 5000 ou 6000 francs. Laisse-moi aller au bout de ma pensée. Elle te tend 2000 francs. Du coup, tu es obligé de lui dire ça, ce n'est pas une coiffure. Il y a les coiffeuses qui rasent même les clientes. Quand elle te coiffe une coiffure qui vaut 15 000, tu lui donnes 2000. Elle est obligée d'enlever les mèches là de ta tête. Elle va faire comment? Tu es venu t'asseoir comme si tu avais trop d'argent. Après, maintenant, tu te retrouves, tu n'as même pas les moyens pour payer la coiffure. Après, vous dites que vous entendez au début. Ce n'est pas tous les clients qui font ça. Et régulièrement, qu'est-ce que je dis? Régulièrement, quelles sont les situations conflictuelles, c'est-à-dire les problèmes qui reviennent un peu dans les salons, quand vous observez un peu? Quand j'observe mes clientes, les problèmes qui reviennent, c'est toujours les problèmes avec les hommes et tout. Le ménage. Le ménage. Bah alors, à dire, c'est quoi? C'est à croire que la coiffeuse est un conseiller matrimonial. Voilà. Non, c'est pas bon. Parfois, une conseillère ou bien une école de soutien. Non, à force de peut-être venir se coiffer tout le temps, parfois peut-être la cliente se dit que la coiffeuse est une amie pour elle. Sauf que la coiffeuse voit plusieurs clients. Parfois, même la coiffeuse. Quand tu vois, tu arrives là, tu expliques tes problèmes, Julie, elle fait semblant comme si elle combattit. Hein. Pourtant, c'est faux. Hein. Ouais. Ah bon? Ah oui. C'est ah faux. Bon? Tu sais que c'est faux. Mais puisque dès que tu tournes le dos là, peut-être c'est elle qui va vouloir ton mari ou bien te critiquer chez les autres clients. C'est pas un problème. C'est pas toutes les coiffeuses qui veulent. Si vous êtes deux, tu vas avoir une personne qui voit. Si tout le monde vient nous raconter ses histoires, tout le monde vient. Au final, même ses propres histoires ne gèrent même plus. Et puis, Julie, il y a quelque chose qu'elle vient de dire tout à l'heure là. Là, moi, je suis vraiment pas d'accord. Et inadmissible qu'une cliente arrive, vous ne faites pas le prix à l'avance. Mm-hmm. Oui, exactement. Parce que si vous ne faites pas le prix à l'avance, mais c'est après, vous aurez certainement des problèmes. Mm-hmm. Avant de commencer, on doit faire le prix. Est-ce qu'elle est d'accord? Non, mais elle revient peut-être sur les clients qui sont un peu. Il y a des clients aussi qui sont assez difficiles. Voilà. Assez difficiles, comment? Ouais, peut-être. Assez difficiles, comment? Les clients peuvent être difficiles, c'est ça? Oui, je vais parler, Corinne. C'est ça dont arriver dans le salon de coiffure. On s'assoit, tu nous coiffes, tu nous dis pas ça. Tu vas payer tel prix. Je peux nous dire que c'est pareil que les gens qui ont la Peut-être dans ma poche, j'avais 5000 francs ou peut-être j'avais 2000 ou 3000. Dis-moi que non, ma soeur, cette coiffure, si ça coûte peut-être 15 000. C'est toi de me dire que non, il y a les clients qui n'ont pas envie de froisser. Tellement tu vois la façon dont elle se comporte, tu sais que non, elle peut. Très bien. Quand vous parlez des clients. Mais là, c'est pour après donner un prix vraiment élevé. Oui, comment non? Mais c'est vrai. Corinne, quand vous parlez des clientes qui viennent parfois, qui se prennent la tête, à part le fait peut-être qu'elle vous ait fait une certaine observation, mais remarque, qu'est-ce que vous reprochez encore à ces femmes-là? C'est quoi leur apparence physique ou bien leur façon de faire, leur façon d'être? En fait, je reproche à ces femmes-là leur façon de se comporter quand elles sont avec nous au salon. Elles se comportent. Laisse-moi m'expliquer. Donc, vous avez fait, j'ai perdu mon film, mais ça va venir. Je leur reproche le fait
quand elles sont là assises, elles se mettent à nous raconter les histoires qui ne nous concernent en rien, Julie. On n'a rien demandé. Et si vous êtes cliente, vous arrivez dans un salon, une coiffeuse se met à vous prendre la tête, stoppez-la direct. Madame, je suis là pour me coiffer, s'il vous plaît. Coiffez-moi et puis je vais partir. Je ne pense pas que tu peux dire ça à quelqu'un et puis la personne Stéphanie, c'est facile alors de dire aux coiffeuses que, écoutez, madame, s'il vous plaît, coiffez-moi. Je ne veux vraiment rien entendre de ces histoires-là. Il y en a qui obéissent, il y en a qui respectent ça, ou alors elles vont continuer. C'est facile qu'elles respectent et qu'elles se rangent. La cliente demandait à la coiffeuse. Ouais, quand, quand une cliente demande à la coiffeuse d'arrêter un peu, de se concentrer, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'elle respecte souvent ça? Ou alors elle continue? Non, là, bon, par exemple, moi, si j'arrive dans un salon, que je me rends compte que la coiffeuse peut-être. Non, non, moi, je dis non, je ne suis pas venue là pour ça. Elle me coiffe et puis je suis partie. Mais oui, je suis partie. Oui, c'est ça. Mais généralement, les coiffeuses, elles font toujours pour, tout pour qu'il y ait une conversation. Quel intérêt elle a à se faire parler? Tout pour qu'il y ait une conversation. Elle a pour la journée. Vous n'avez pas passé une journée sans parler quand même. Non, mais Julien, on est entre femmes. On sait que si tu arrives dans un salon de coiffure, que tu veux faire les rastas. Les rastas font peut-être 4 à 5 heures du temps. Pendant tout ce temps-là, oui, il faut bien parler de quelque chose. C'est comme ça que la coiffeuse, pour te faire patienter, elle va te jamais la cliente. Justement, les clientes se plaignent qu'il y a, le cas de la dame qui dit que sa coiffeuse a arraché son mari et tout. Voilà. Est-ce que les clientes aussi sont les bénis? Oui. Il y en a qui sont aussi un peu suspectes, Corinne, quand vous les observez aussi. Vous parlez des clients, des coiffeuses qui arrachent les maris. Sachez qu'il y a aussi des clients, des clientes qui arrachent les maris des coiffeuses. C'est très peu. Sachez qu'il y a aussi des clients. C'est trop peu. Parfois, même la jomba de ton homme vient se faire coiffer chez toi. Elle sait que tu es la femme de la maison. La maîtresse, non. Elle sait que je suis la femme de la maison. Elle dit que je vais aller narguer cette dame-là. Et vous, comment vous faites pour savoir que c'est la maîtresse là-bas? Exactement. Et c'est la femme d'épouse légitime. Donc, il y a des fois, quand même, vous vivez et vous gérez ce genre de situation-là. On gère, c'est le quotidien. Wow. C'est le quotidien des coiffeuses. Elles sont obligées de prendre sur elles. Quel comportement vous adoptez face à la maîtresse et face à la femme mariée, puisque vous êtes censé les mettre toutes les deux à l'aise et entretenir les conversations, entretenir les clients, pardon. En fait, moi, quand je suis face à ce genre de situation, je vais d'abord me dépêcher de finir avec la dame de la maison pour qu'elle parte. Donc parfois je demande même à celle que je sais que c'est la maîtresse, s'il te plaît, va là-bas t'acheter un jus, tu bois en attendant que je finisse avec ma cliente. Si c'est une personne que je connais, parce que tu ne peux pas proposer le jus à n'importe qui, le temps qu'elle paye, elle va prendre pour je finis rapidement avec la dame de la maison, pendant qu'elle part maintenant là. Parce que si les deux sont mélangés, Julie, ça va péter. Surtout quand si la dame de la maison connaît que c'est la maîtresse de mon mari, si les deux se connaissent. Comment se fait-il que les deux se connaissent? C'est là où je veux en venir. Les voleuses de mari ici d'ailleurs qui n'ont plus de scrupules. Elle sait que la femme de la maison se coiffe là-bas, elle est belle, c'est pour ça que peut-être que l'homme lui a mis à la maison, je vais aller me coiffer aussi là-bas. Peut-être là-bas, elle coiffe bien et tout, je vais aller me coiffer. Elle veut se rater les mêmes milieux. D'accord, Stéphanie, oui. Oui, Julie, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Voilà pourquoi je dis que dans les salons de coiffure, vraiment, les coiffures sont graves. Comment est-ce qu'elle a fait pour savoir que ça, c'est la dame de la maison et l'autre? Peut-être qu'elle a eu le téléphone. Comment est-ce qu'elle a fait pour savoir? Justement, parce que vous venez nous raconter. Parce que vous venez nous raconter. Non, la dame de maison vient parler. Je n'ai pas deviné. La coiffure ne peut pas deviner. Attendez. Et vous répondez justement parce que à la fois la maîtresse, quand elle se coiffe, elle vous raconte des histoires avec le monsieur, le mari. Ça veut dire qu'elle s'intéresse au commérage. On est obligé de s'intéresser au commérage quand on est coiffeuse. Mais vu que le commérage vient des coiffeuses, je vous dis non. On est obligé de s'intéresser au commérage. Alors, il y a beaucoup de foyers quand même qui ont été brisés. C'est-à-dire des personnes qui sont ensemble parce qu'il y a eu une information qui est sortie de quelque part dans ces salons de coiffeurs-là. Ils sont dans les problèmes, ils sont obligés de... C'est-à-dire, c'est sûr, des personnes qui sont même séparées, elles ont été obligées de mettre un terme à leur relation. Parce que, justement, on a appris que on a rencontré l'autre chez la coiffeuse. Et quand on allait se coiffer, on a entendu que monsieur a fait ceci, madame a fait cela. Au salon de coiffure, alors que ce sont elles qui viennent nous sauver. Non, deux fois, ça dépend des relations que tu entretiens avec ta coiffeuse. Peut-être, comme moi, je suis fidèle. Tu vois,
c'est une, soit c'est toi qui me coiffe, soit c'est toi qui me coiffe. Du coup, il y a des fois que je viens me confier à toi, voilà, j'ai un problème dans mon foyer, mon mari a fait, c'est parce que tu es déjà ma copine, parce que tu es mon alors peut-être que les femmes aussi devraient peut-être arrêter de considérer les coiffeuses comme leur copine, comme leur confidente. Julie, et puis, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Avec tous les salons de coiffure qu'il y a dans Douala, comment la femme d'un monsieur et sa maîtresse peuvent se retrouver dans un même salon? Voilà, mais attendez, dans un même salon, c'est inadmissible. Il y a une coiffeuse qui répond parce qu'elle fait face à ce genre de situation. Oui, je vous réponds, madame, parce que les maîtresses sont audacieuses. Elles osent. Mais justement, elles viennent là-bas. Laisse-moi finir. C'est un lieu public aussi, le salon. Voilà, ça, je ne vais pas chasser les gens quand ils viennent dans mon salon. Quand elle vient se coiffer, elle me raconte, comme tu vois là, voilà mon homme, elle te montre même la photo parce que, justement, parce qu'elle veut te narguer. Voilà, voilà la photo, c'est un bel homme. Même s'il est marié, maman, je suis là. Je suis là, bien. Je sais même que ça va venir se coiffer, c'est là et tout. Du coup, tu es obligé d'écouter. Tu ne vas pas fermer tes oreilles quand ta cliente te parle. Tu es là pour chercher ton argent. D'accord. Quand elles finissent leur machin, est-ce qu'elles sont avec toi après? Elles ne sont pas avec. Même si elles vont se déchirer, pourvu que ce ne soit pas dans ton salon. D'accord. Donc, beaucoup de coiffeuses, justement, détiennent les secrets de leurs clients. Apparemment. Apparemment, c'est ce qui s'est fait. Apparemment. Et peut-être c'est à ce moment-là que quand le secret est dehors, même si un ça crée des problèmes dans les ménages. Voilà, Stéphanie. Oui. Même si un monsieur a peut-être sa femme avec une autre maîtresse, est-ce que c'est dans les salons de coiffure qu'on doit être au courant de tout ça? Exactement. C'est pas dans les salons de coiffure. Justement, parce que vous êtes tout le temps en train de raconter vos vies aux coiffeuses. Avant que, on oublie un truc, avant que tu sois coiffeuse, on était copines, oui ou non? Et puis on se racontait des choses. Avant que tu étais coiffeuse, admettons que je fréquente une amie maintenant. Vous pensez que les coiffeuses n'ont pas de meilleure copine que ça, c'est ma copine. Ici, il y en a, mais après un bon matin, elle dit, voilà, je vais ouvrir mon salon de coiffure. Du coup, tu continues à aller dans un autre contexte. Non, je vais revenir. C'est pas le même contexte. Ouais, c'est vrai. Vous êtes une cliente lambda, vous partez vous coiffer chez une dame et vous faites certaines observations qui vous arrangent pas. Donc, oui, mais je veux en venir. Du coup, vous racontez des trucs. Un bon matin, elle vient se confier à toi. En fait, ça se passe toujours dans les salons de coiffure qui sont dans les quartiers du genre. Je connais la maison de telle, D'accord, donc vous êtes une voisine du quartier. Peut-être c'est pour ça que beaucoup de femmes aussi évitent peut-être de se coiffer. Dans les quartiers. On va un peu ailleurs. Oui, on va un peu ailleurs. Corinne, aller ailleurs ou se coiffer à côté, ça change quelque chose? Ça ne change rien dans le sens où gardez vos secrets pour vous. Dites-nous des choses constructives, ma chérie, tu coiffes bien, j'ai aimé ta coiffure, fais-moi ci, fais-moi ça. On veut entendre ça. Arrêtez de nous raconter vos vies. On ne veut pas écouter ça. Après, vous allez dire qu'on ne peut pas raconter. Et en plus, même si une coiffeuse ne peut pas raconter, Julie, elle n'a pas signé qu'elle n'allait pas raconter tes histoires. Elle t'a rien promis. Elle t'a rien demandé. Même si elle va raconter tes histoires, c'est toi qui as cherché. On n'a pas tapé ton ventre pour dire qu'il raconte ta vie privée. Et puis, il n'y a pas que les histoires des hommes aussi, d'infidélité. Il y a même certains secrets. C'est-à-dire que quelqu'un était malade, quelqu'un a subi, je sais pas, une scène de ménage ou bien une dispute entre voisins. Ça sort toujours. Oui. Ça sort toujours. On va observer une courte pause, mesdames. Le temps de suivre attentivement ces différentes réactions. Quant à vous qui nous regardez, c'est le moment de nous écrire à travers nos différentes plateformes. Allez déjà sur la page officielle d'Equinox, Equinox Civil Émission en ligne. Ils sont nombreux déjà à réagir. Allez également sur Facebook, la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015. Laissez-nous vos témoignages et réactions. On écoute attentivement ce que les autres en pensent et on se retrouve juste après. Il y a d'abord le manque de coiffeurs. Dans notre société, on manque régulièrement de coiffeurs. Et quand quelqu'un parfois se trouve un peu libre, il est obligé de faire ce qu'il peut. Mais si on relève des conséquences des commérages, des rancunes, des très très grandes rancunes, parfois aller même jusqu'à certains les bagarres, des combats et tout. Parce que moi, je ne serais pas d'accord d'entendre que quelqu'un m'a accusé en vain et puis je reste tranquille. Je n'ai pas le cœur à faire à ce que je sache. Donc on relève des conséquences des commérages, franchement des énormes rancunes. C'est les femmes qui font le commérage dans les salons de coiffure, c'est parce qu'elles n'ont rien à faire. Et puis de deux, elles sont même jalouses. Et puis la jalousie n'est pas bien. Parce que quand Dieu a créé chacun, que chacun doit se débrouiller. Quand tu vois une femme qui se bat, qui se débrouille, et que Dieu a béni, pourquoi être jalouse d'elle? Bref, moi par exemple, je suis d'abord le genre que je peux vivre d'abord là. Je ne connais même pas la couleur des chaises de la voisine.
Donc, je sors le matin, je rentre le soir. Certains commencent à dire, oh, elle crâne beaucoup, qu'est-ce qu'elle veut montrer aux gens, patati patata. Bon, quand moi j'ai écouté cela, bon, je ne me suis pas déchirée. J'ai seulement dit que c'est parce que ceux-là n'ont rien à faire. Parce que si tu as fait, tu ne peux pas passer ton temps à parler tout cela. Cette femme-là, c'est mieux, au lieu d'aller dans les salons de coiffure, passer le temps à faire le commérage, même transformer son temps de commérage là, à une activité. Le conseil que je peux donner à chaque femme, c'est de faire comme moi. Au lieu de passer son temps pour aller, pour rester dans les salons de coiffure, faire le commérage, parler, mieux vaut aller s'occuper. Parce que quand tu t'occupes, tu n'as pas le temps de quelqu'un. Tu te concentres sur ce que Dieu te donne. Toi-même, tu sais te battre, tu as ton peu. Je pense que pour eux, ils n'ont rien à faire. Et ce sont les femmes qui sont toujours là à fumer leur nez un peu de partout. Ce sont les gens qui ont beaucoup à dire, mais qui n'ont rien à faire. Ce sont des femmes qui, pour eux, leur passe-temps le plus préféré, c'est de raconter ce que les gens ont fait. Mais pourtant, eux-mêmes, ils ne peuvent pas démontrer vraiment ce qu'elles font au quotidien. Alors, pour moi, ça m'agace beaucoup parce qu'au lieu de passer ton temps à babader ce que les autres ont fait, il vaudrait mieux que toi-même tu fasses pour qu'on puisse aussi critiquer. Parce qu'il ne faut pas faire la critique pour la critique. Il faut aussi que toi aussi tu puisses faire quelque chose pour qu'on puisse critiquer. Pour moi, ce genre de femmes-là, vraiment, j'ai du mal par rapport à elles. Les conséquences du commérage, d'abord, ça crée la distance. D'abord, les conséquences, ça crée la distance et ça crée l'inimitié. Et les bagarres... Et on a souvent l'habitude de dire que les gens qui ont la maladie d'occupation, parce que c'est que tu as quelque chose à faire, tu ne peux pas rester dans un salon de coiffure, tu commences à mal parler le nom des gens, tu commences à dire comment celle-ci a fait ceci, les trucs, c'est monté, c'est descendu. Donc, c'est les gens qui n'ont rien à faire, qui peuvent faire ce genre de trucs. J'ai été à victime et le jour même là, c'est que quoi, une copine qui venait commence à parler le nom d'une autre copine et c'est toujours elle qui porte encore hépatite celle-là. Et entre-temps, au lieu de dire ce qu'elle a expliqué aux gens, elle raconte maintenant que moi j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Comme la personne qu'on avait même dit là, elle me connaît très bien et elle sait qu'elle ne peut même pas faire ce genre de truc. Donc je suis restée tranquille, ça m'a d'abord étonnée et je suis restée tranquille. Ah, elle-même, la personne qui avait même pris ses deux pieds, partie dit, elle-même, elle s'est sentie coupable. Donc c'était un peu ça. Ce que moi je suis en train de leur donner comme conseil, c'est que cherche quoi faire. Parce que c'est que tu t'occupes de tes affaires, tu ne vas jamais t'asseoir pour parler le nom des gens. Planning pour la journée, qu'elle entre dans un salon de coiffure, c'est pour se rendre belle. Elle se rend chez elle. Pour ma part, je pense qu'elles n'ont pratiquement rien à faire. Une femme qui estime qu'elle est jolie, qui croit qu'elle a tout ce qu'elle a, elle n'aura pas le temps de parler de qui que ce soit. Une femme normale n'a pas le temps de parler de qui que ce soit parce qu'elle se sent belle. Les conséquences du commérage, il y a souvent les femmes qui bagarrent dans les quartiers là. Ce sont les conséquences du commérage. Oh, elle a fait ceci, elle vient dire ce que tu avais dit l'autre jour au salon de coiffure au nom de tel. Ça crée des conflits entre les femmes. C'est en fait ça, les conséquences du commérage. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste en l'instant, sachez que ce soir, dans le cadre de ce programme féminin, nous parlons du commérage dans les salons de coiffure. Et j'accueille sur ce plateau, welcome, maman welcome, bonsoir. Bonsoir Julie. Comment maman. Allez-vous? Bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Alors, vous avez suivi, vous madame Billy welcome, vous avez suivi... l'émission depuis le début, et nous parlons ce soir du commérage dans les salons de coiffure. Vous fréquentez également ces milieux-là. Oui. Quelle est votre analyse? Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ce que je peux conseiller aux coiffeuses, d'abord, elles doivent avoir l'habitude de secret professionnel. Mm-hmm. Parce que quand quelqu'un vient chez une coiffeuse, c'est pour que la coiffeuse doit l'aider. Doit l'aider dans quel terme? Je peux venir me coiffer, par exemple. Je te dis que peut-être tu découvres que derrière ma tête,
j'ai la dalle. Tu dois garder ce secret. Parce qu'elles font souvent, quand dès qu'elle finit de te coiffer, tu sors. Elle se met à m'a parler de ton nom chez les autres. Et c'est déjà une habitude chez nous, Zila. Et je condamne aussi les femmes qui partent se coiffer. Tu quittes chez toi, tu pars chez la coiffeuse. Peut-être elle n'est pas mariée. Toi, tu es mariée. Tu pars lui dire tes problèmes. Pourquoi tu lui dis tes problèmes? Elle est qui pour résoudre tes problèmes? Elle est qui? Elle devient comme, excusez-moi, comme le prêtre qui célèbre le mariage et qui n'a pas une femme, ne connaît pas ce qui se passe dans un couple. Il ne faut pas faire ça. Et si bien même elle est mariée, la coiffeuse, elle est mariée, tu peux lui dire, elle va t'aider en quoi? C'est ça qui nous tue. Et c'est ça qui tue les mariages aujourd'hui. Parce que tu crois aller te confier chez... chez la bonne personne. Alors que celle-là maintenant voit, hein, peut-être, toi tu lui dis, elle te dit, bon, peut-être maman, welcome, toi tu es comme ça là, tout le temps tu viens te coiffer ici là. Donc, quand tu dis même que ton mari ne te fait pas ça, ton mari qui te donne souvent l'argent, peut-être tu lui dis que j'ai un show. Tu peux pas lui dire que un tu amant. As un show. Pourquoi? Maintenant, quand tu lui dis que tu as un show. Un amant. Un amant. Oh, merci ma fille, on apprend chaque jour. Tu lui dis que tu as un amant. Tu peux pas lui dire ça, pourquoi? Les amants, est-ce que ça a la valeur? Tu dois, c'est les caca, quand tu chies, tu dois t'asseoir là pour que l'odeur ne monte pas. Maintenant, toi, tu lui dis, par hasard, tu causes. Elle comprend, monsieur Dikoumé, oui, ah, toi-même là, depuis que tu es là-bas à Equinox, tu me donnes même quoi? Elle a déjà le contact. Elle connaît quelque part monsieur Dikoumé, peut-être en partant manger. Equinox, elle va le rencontrer. En face, Equinox, on vend la nourriture là-bas. Elle dit, mon monsieur, mais vous, votre femme, comme ça, vous, vous maltraitez les femmes. Hein. Voilà comment. C'est parti. Et maintenant, du coup, mais aussi, ramasse. Tu perds ton mariage. D'accord. C'est pas bien. Laissons, attachons nos bouches. Parce que le pidgin, nos frères de l'autre côté des anglophones, disent que Aratadai Naïmop. Aratadai Naïmop. Oui. Donc, quand tu parles, ce que tu sors de ta bouche, ça peut te sauver. Comme ça, ça peut te tuer. Il y a d'ailleurs une chanson qui le dit. On va commencer à lire les messages qui sont nombreux. Je commence par le message de cette fidèle téléspectatrice, Diane Dobibi. Elle répond à Christian Bendé. Elle dit, il faudrait donc qu'elle, promis pour les coiffeuses, sache que le secret professionnel existe. Donc, pas parce que vous avez tout entendu, vous devez aussi tout dire. Hein. On écoute, on parle peu. Alors, il y a Lydie Bedga qui écrit, au Cameroun, il n'y a pas de boulot dont les gens ont le temps pour faire le commérage. Darlin Van, la majorité des coiffeuses sont les mamies Kongosa, toujours en train de vouloir savoir tout sur la vie des gens. Voilà. Christian Bendé, la coiffeuse ou le coiffeur est comme un thérapeute, il faut le savoir. Le ou la cliente peut être en peine et a besoin de se livrer une oreille attentive. Vous êtes d'accord? Alvin Lorient d'Enfac, cessez d'accuser les coiffeuses, c'est vous qui dévoilez vos vies. Et les deux dames là sont l'exemple typique du gens qui aiment raconter leur vie. Alors, Rose Bryan, je lis s'il te plaît l'adresse de Corinne. Alors, il y a Tagne et Percy Delors. Les femmes doivent éviter de raconter leur vie dans les salons de coiffure. Va te coiffer et tu rentres chez toi. Sakis Kinatou, comment se fait-il que tu causes avec ta coiffeuse? Ça veut dire que tu ne te respectes pas. Où est ta dignité est où? Bon, là, moi, rien compris. Natou, pensons à ta Julie. Les clientes aiment trop raconter leur vie. Laissez les coiffeuses tranquilles. Souhaitons donc déjà être coiffeuse est un métier noble. Alors arrêtons de chosifier les coiffeuses. À défaut de cela, faites-vous couper des cheveux. Il y a Samène Manuela Cynthia qui dit « Les coiffeuses sont de très grandes informatrices, toujours bien renseignées ou très mal renseignées. Voilà. » Il y a Monique Sylvine Biondieu qui renchérit en disant « Très mal renseignées, oui. » Alors, il y a Francky Coloco qui dit « Le coin des voleuses de mari. » Et il y a Douala Afri qui répond en disant « On ne vole que le mari de celle qui vient exposer leurs problèmes. » Alors, il y a ce message de Crescence Mimboué. Si toutes les coiffeuses peuvent suivre l'émission parce que c'est la merde dans les salons, dans nos salons de coiffure, je t'assure, Julie, bonne initiative, merci.
Arlette et Gladys Peninga, Julie, c'est vrai. Juste parce que sans te mentir, quand on touche les cheveux des femmes, elles racontent tout. Mon mari est monté, je suis mariée, j'habite, ma belle-mère était, et toute présente écoute. Après toi, le commérage commence. Fabiola Mbiakop, bonsoir ma belle. Salon de coiffure là, c'est la merde. Mais je dirais que tout relève de l'éducation que chacun de nous reçoit. Si tu as eu maman congosseuse, eh bien tu le seras. Alors il y a François Broca qui écrit, hello Julie, ayo, le congossage chez les coiffeurs, ça va donner. Bravo pour les thèmes choisis, toujours intéressant, amitié François. Merci. Alors il y a Landry Ketchman qui écrit, bonsoir Julie à tes invités. Les commérages, à mon avis, c'est dans tous les milieux. Vous, les femmes, fréquentez les salons de coiffure femmes et avez l'impression que c'est le lieu des ragots. Moi, je suis garçon et dans les salons de coiffure hommes, je peux vous dire que c'est pareil. Dans les marchés, dans les entreprises, etc., beaucoup de congossais aussi. Ne stigmatisons pas plus un endroit qu'un autre, d'autant qu'il n'y a pas eu d'enquête pour attester que les salons de coiffure sont les lieux par excellence des commérages. Bonne émission, Landry Kitch. Il y a Yvonne Jomou qui dit, pas seulement au salon de coiffure, même dans nos quartiers, les voisinages, etc., c'est grave. Anne-Françoise Ngomalilel, ah oui Julie, les femmes qui viennent se faire voir juste parce qu'elles sont complexées en rendant également celles qui sont petites d'esprit complexées comme elles, le monde des femmes. Terence Tinda, j'aime bien me rendre dans les salons de coiffure. Là-bas, tu apprends tout sur tout le monde. En plus, c'est pas toujours faux ce qu'elle raconte. Il y a un peu de vérité dans cela. Vous croyez, Stéphanie? Il y a un peu de vérité? Qui raconte? Les clients coiffeuses, les coiffeuses. Non, généralement non. Généralement non. Donc, ce sont des choses complètement absurdes. Ce sont des choses qu'elles inventent. Bon, puisqu'elles reçoivent plusieurs clientes par jour. À la fois, ouais. Oui, donc... Parfois, ce sont elles qui sont intéressées. D'accord. Anne Bakouyak, voilà. Maman Julie, très bon thème. Les salons de coiffure sont les lieux par excellence du Congo. Ça, surtout de la part des clientes qui ont tout, qui font tout et tout et ont des maris riches. Pourtant, le contraire. Adelita Serrefouda. Les coiffeuses ont le fax de toutes leurs clientes. Elles accueillent toujours avec le Congossa et imaginons la suite quand tu t'en vas. C'est ça. C'est ton dossier qu'on ouvre aussi. Au salon de coiffure, j'écoute, je commente les infos ou encore un film qui passe à la télé parce que je n'ai pas de muscles pour la bagarre. Désirée Lafleur, comme je ne te dis pas Julie, j'en connais une qui allait étaler la vie de son mari et de sa belle famille pour une première fois dans une ville. Elle et sa coiffeuse ne se connaissaient même pas. La coiffeuse a rapporté tout à la famille. Imagine le scandale. Mais là, la coiffeuse aussi, elle n'était pas obligée. Inès Téné, ah oui, bon thème, Julie. Les femmes ne peuvent s'empêcher de parler. Elles savent décortiquer les noms des gens. Lorsque les choses sont de coiffure, j'écoute et je ferme ma bouche. Sinon, quand les choses vont déraper, on va t'accuser. Je m'abonne, merci. Oula, il y a tellement de messages. Hernan Merea, sincèrement, quand je me rends compte que c'est surtout la coiffeuse qui anime le commentaire, je fuis à toute vitesse. Voilà. Je préfère même prendre le taxi pour aller au salon. Parce que le salon du quartier, tu vas tout entendre. Exactement, Julie. Exactement. Oui, oui. Ce sont toujours elles, les coiffeuses. D'accord. Josiane Lacoé, Julie, tu as touché les femmes aujourd'hui. À ce sujet, n'accusons pas toujours les coiffeuses. Elles ne bavardent pas seules. Ce sont les assos qui viennent allumer le Congossa. J'ai besoin de fuir le quartier pour me coiffer, Julie. Non. J'y vais, mais j'adopte une attitude responsable. Je ne suis pas leur Cédric, nous fait le du 20h sur Equinox Télévision. Quel Congossa avec ses apprentis. Mes oreilles entendront sûrement, mais je m'interdis de participer à ces échanges toujours congossa. Oui. Ouais, ça, c'est la réaction de Josène Lacot. Marlise Ateba, Ate, le thème, c'est alors, ça concerne vraiment nous les femmes, salon de coiffure, là, en droit congossa jusqu'à. Finalement, on a l'impression qu'on ne va pas se coiffer. Hein. Non, on va se coiffer. Corinne. On va pas se coiffer comment? Ou bien on ne va pas que se coiffer. Voilà, déjà, quand tu sais que comme. Comme j'ai suivi un message que vous avez dit tout à l'heure, un monsieur qui disait qu'il n'y a pas que les salons de coiffure qui font les commérages, c'est partout. Quand vous savez que partout on parle, au Cameroun, les gens aiment bien parler de tout et de n'importe quoi. Quand tu arrives au salon, prends un commentaire qui va pas te créer des ennuis après. Prends, parle de novellas ou de parle d'autres, d'un truc qui ne va pas te toucher après. Parce que tu sais déjà d'office que parfois même toi, la coiffeuse, tu n'as pas envie d'écouter, tu sais déjà de ce qu'elle va aller raconter, vu que c'est ce que vous dites. Je ne dis pas que les coiffeuses le font, parce qu'il y a les coiffeuses vraiment qui gardent les secrets des clientes ici. Je ne dis pas que tous le font, d'accord. Mais quand tu sais qu'on bavarde, prends les mesures. D'accord. Il y a Laurette Ndimbialor
qui a écrit. Elle a insisté qu'on lise son message. On va le lire, Laure. Ah oui, Julie, nous serons bon sur ce côté. Alors, pour ma part, je dirais que certaines femmes sont très naïves. Voilà. Lorsqu'elles arrivent dans de tels milieux, elles se permettent de parler de leur vie. Pire encore, de leur foyer. Et là, c'est un salon de coiffure en plein quartier. Bonjour, les problèmes et le commérage qui seront désormais répandus dans tout le quartier. Femmes, apprenons à plus écouter. Donnez vos points de vue dans les salons de coiffure sans toutefois avoir indexé autrui. Au sortir de là, ne prendre en considération que des leçons de vie pouvant t'aider à bâtir et non te détruire toi-même en exposant ta vie. Julie, s'il te plaît, lis mon commentaire. Ben, je l'ai lu, Laurette. Bon, généralement, oui. Certaines coiffeuses de fond, peut-être pour garder des clients. Mm-hmm. Oui, genre, elle... Bah, après, il y a une suite, en fait. Quand vous avez raconté une histoire, hein, Madame Dillet, quand vous avez raconté une histoire, peut-être vous étiez peut-être mal, vous avez eu un problème. Plus tard, quand vous venez deux, trois semaines, après, on demande, ça va mieux et tout. Peut-être c'est de là que tout part. Mm. C'est pas ça? Il faut éviter, il faut éviter, il faut éviter. Il faut... Les temps sont mauvais. Mm. Il faut éviter. Mm-hmm. Les temps sont mauvais. Quand tu pars quelque part, donne toi-même d'abord la valeur. D'accord. Et je crois que pour celles, les coiffeuses qui ont un peu de moyens, pour éviter cela, ou soit les coiffeurs, comme mon fils, l'un de nos, moi, mes fils a parlé là, mm-hmm. faut s'acheter une petite télévision, vous mettez là. Peut-être si quelqu'un vient, il est attiré de voir les films. D'accord. Oui, comme ça, tu passes. Il est concentré à faire autre chose. Voilà. D'accord. Il y a Rachel Ndjoya Nukumi qui écrit « Salon de coiffure, c'est le lieu par excellence du commérage. Parfois, les coiffeuses font le Congossa sur celle qu'elles coiffent tout en ignorant leur identité. Après, ça devient l'anjam. Alors, il y a Irani Yom Kiel. C'est la raison pour laquelle je me coiffe toujours à domicile. Ça coûte ce que ça coûte, mais au moins, je suis épargnée de certaines choses qui se passent dans les salons. Quand tu sors, on commence à ton nom. Je pense que c'est un terme typiquement camerounais. Marie-Thérèse, tu as oublié que certaines coiffeuses finissent par voler nos époux. Je vous explique. Mon fiancé, après 3 semaines de travail hors de la ville à son retour, il faut toujours se faire belle. Donc, je suis allée me coiffer. Donc, je précise à dame en question ce dont j'avais besoin. Voilà qu'elle a tellement mis du temps que mon cher est arrivé à la maison avant que je finisse de me faire belle. Voilà qu'il m'appelle. Je lui fais comprendre que je suis au salon de coiffure, pas loin de nous. Aussitôt, je laisse mon sac et le téléphone ainsi mon portefeuille. Je prends juste les clés pour aller ouvrir la porte. Je n'ai même pas fait 10 minutes que la dite dame a consulté mon téléphone pour prendre le numéro de mon fiancé pour lui faire des avances. Mince, le monde de la femme, on va tout voir avec ces coiffeuses qui nous embellissent et finissent par détruire nos foyers à cause que nous faisons d'elles parfois des confidentes. Non, Marie-Thérèse qui écrit. Julie, la coiffeuse n'attend que ça, prendre ton nom. Elles sont là, elles sont tellement en manque d'hommes qu'elles attendent seulement ton nom. Il y a aussi des coiffeuses qui sont restées. Tout à fait, on l'a souligné. Qui sont aussi mariées, des mères de famille. Et qui sont professionnelles aussi. Mais Stéphanie dit qu'il n'y en a pas assez. Vous allez traiter les coiffeuses de tout, franchement. La plupart des messages, vous allez toujours partir vous coiffer chez les gens. Vous aimez là où on bavarde, vous les clientes. Vous aimez, vous sentez. Écouter quand on écoute vos ragots là, vous aimez bien ça. Bon, et puis quand vous les coiffeuses généralement elles sont obligées parce que quand elles écoutent comme ça, dès que tu vas sortir, l'autre cliente qui va rentrer là, elle va raconter peut-être la conversation, tout ce qui s'est passé. C'est ça aussi. Véronique Cassie, Julie, tu connais, c'est dans le salon là que tu trouvais les femmes qui viennent raconter comment leurs maris sont des sorciers, des ronfleurs, des faiblards. C'est vraiment la sorcellerie, dans ce salon. Et peut-être chez les hommes, c'est différent aussi. Hein? Bon, là, on ne sait pas. Il y a un homme qui a écrit que chez les hommes, c'est pire. Il y a l'André Ketchman qui a dit quand même que chez les hommes, c'est pareil, peut-être même pire. Hein. Les hommes aussi font ça. Bien sûr. Les hommes sont devenus aussi des société. Vraiment. Les hommes, maintenant, comme ils n'ont plus à faire, c'est les femmes qui se lèvent tôt pour aller travailler, faire les marchés. Donc, l'homme est là, il lui dort, lui, catégoriquement à la maison. Après, quand il sort, c'est pour aller rester soi. À la vente, comme ça, la femme qui monte, il parle. L'autre qui descend, il parle. Parce que l'air dans les langues... C'est ce qu'ils font aussi. Oui, c'est ce qu'ils font aussi. Et les personnes qu'ils amènent aussi dans les salons de coiffure. Mm-hmm. Et d'autres même, ils n'accompagnent même pas sa pauvre femme au salon de coiffure. Il prend seulement sa bordelle pour amener là-bas pour m'appeler. Oui, ça se fait. Hey. Oui, madame une coiffeuse. Mm-hmm. En dehors de que tu fais le secteur professionnel.
Mais il y a on n'est pas, nous, les coiffeurs ne sont pas les médecins ou bien on n'a rien signé. Alors, on n'a rien signé du tout. Tu veux là-bas, maman, toi, tu veux seulement si tu ne donnes pas compte de propage. Voilà, on veut l'argent. Si on ne t'écoute pas, la femme là, elle est trop molle, la coiffeur là, elle attache la bouche et tout. Si on n'attache pas la bouche, oh, elle va de trop et tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Elle n'est pas gentille. Elle n'est pas gentille. Elle n'est pas gentille. Mais elle n'est pas retenue par le secret professionnel, on ne parle pas de la vie privée du client. Bon, Julie, parfois aussi, d'autres viennent parler par naïveté. Ah oui, elle arrive là, elle se dit peut-être que la coiffeuse, c'est une copine à elle, peut-être une camarade. Bon, oui, mais quand vous avez un million, par exemple, si c'est ta coiffeuse, elle te coiffe peut-être depuis 2, 3, 4 ans, forcément, il y a les liens d'amitié qui sont tissés avec le temps. Maintenant, bon, par naïveté aussi, elle peut arriver, elle explique, ah, comme tu vois. Maintenant aussi, la coiffeuse, au lieu de vraiment conseiller comme une amie, etc. Non, c'est pas le cas. Oui, c'est ça aussi. D'accord. Je vais dire un truc, c'est que si vous avez fait si longtemps ensemble, ça veut dire que quelque part, elle est bien. Si tu dures avec quelqu'un, ça veut dire que quelque part, cette personne est bien. Mais juste donc, le jour où tu découvres que... Tu découvres... Non, ça ne tient pas. Parce que si tu dures avec quelqu'un, si tu as l'habitude d'aller te coiffer... Donc, on peut avoir une très bonne relation avec sa coiffeuse. Parce que si tu as une relation amicale avec ta coiffeuse jusqu'à ça dure... tellement tu es habitué, c'est comme la famille, je vois pas pourquoi elle va aller te salir. Franchement, mais jusqu'au jour où tu découvres, Julie, parce que quand elle le fait, est-ce que tu es au courant? Jusqu'au jour où tu découvres, généralement, parfois tu restes parce que peut-être elle te coiffe bien. D'accord. On ne reste pas peut-être parce qu'elle ne parle pas d'autres problèmes ou bien quoi que ce soit. Généralement, on reste parce qu'elle fait bien son travail. D'accord. Elle te coiffe très bien. Odile Biengamou, Julie, tu vois quoi? Maman, c'est devenu très grave dans nos salons de coiffure. Oh. Étant là-bas, on entend toutes les qualités de commentaires. Dites-nous tout. Oh. Idélette Akono, très beau thème, mais moi personnellement, je n'ai jamais fait face à cela. En plus, tout dépend de notre attitude. Le commérage ne prospère que lorsqu'il y a des oreilles attentives et des yeux intéressés par la vie des autres. Alors moi, au salon, oui, au débat constructif, sans parler des autres, tel est mon credo. Il est welcome. Dans tous les très vous avez déjà eu à vivre une situation assez peut-être désagréable dans un salon de coiffure? Oui, moi, dans les salons... qui vous a marqué... Moi, ce qui m'a marqué souvent, parce qu'elles vont m'excuser, le fait de cacher les mèches des clients. Voilà. Le fait de cacher les mèches. Parce que quand elles te coiffent là, il y a les apprentis à côté, elles balancent. Elles lancent là-bas, après... Ouais, elles sont de connivence, elles sont, voilà. elles sont leurs complices, vous pensez? Et mais après, c'est gros quand même comme accusation. Et après elles te disent que... Ta mèche ne suffit pas. Donc, tu es calé là. Tu es calé, maman. Si je manque, maman. Je n'ai pas dit que vous mentez, mais je dis que c'est gros ce que vous dites en fait. Ouais. Arriver à faire ça aux clients. On fait, maman. Toi-même, tu sais pas qu'on fait. Si toi, tu ne fais pas, d'autres le font. Non. Vraiment. Si tu veux être professionnel, tu veux que tes clients te respectent et viennent. Et puis, il y a des salons où on vend même les mèches. Voilà, on vend les mèches. Parfois. Maman, il y a les clientes qui sont gentilles. Après, elles te laissent les restes de ses mèches. Prends le fond de ta mèche. Qui donne la mèche à elle. Non, j'ai dit les clientes qui sont gentilles. Après elle a dit que tu allais au quartier, dit que non, j'ai donné même mes mèches là-bas et tout. Elle confirmait mes mèches. Oui, prochainement, vraiment, j'aimerais aussi. Il y a les coiffeuses aussi qui. On va faire le plateau ici. Mm-hmm. Elles vont accepter que oui, ça se passe. Mais de grâce. Excusez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Le petit vol là, elle vole politiquement. Ce n'est pas bien. Oui, ce n'est pas bien. Quand tu sors chez toi. J'ai été victime. Vous avez déjà été victime. Moi, j'ai déjà été victime. Ah bon? Moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais eu ça. Mais après, elle m'a dit que elle me mettait la greffe. Elle m'a dit que c'est fini. Je lui ai dit que tu manques. Moi, mes trois couleurs, si tu vas sortir le rouge, la et je me suis levée, j'ai fait la sauvagerie parce qu'elle croyait que je dormais, mais j'ai vu à travers le miroir. Quand je me suis levée, j'ai vu. Et elle m'a perdu. Même si je ne payais pas beaucoup, mais je n'ai pas. Et puis, je lui ai dit que tu es ma fille. Je ne peux pas te saboter. Parce que si je viens ici, et fais seulement une semaine, n'entrez pas là-bas, elle vole. N'entrez pas là-bas, elle vaut. Tu vas démissionner ici au marché. Donc, vous voyez, ce n'est pas bien. Il ne faut pas le faire. D'accord. À part ça, vous reprochez quoi encore? On précise comme ça, c'est votre expérience. Ce n'est pas toutes les coiffeuses qui le font. Oui, toutes les coiffeuses ne font pas. Il y en a qui font noblement bien là. Oui, elles sont respectueuses, qui sont vraiment professionnelles. On va les encourager ce soir parce qu'il faut reconnaître qu'elles aident à être belles. Voilà quoi. Il y a celles qui sont professionnelles, qui aident même. Parce que pour ça,
qui aide. Quand tu viens, ton argent même ne suffit pas. Mm-hmm. Elle t'aide. Tu lui dis gentiment, mais il ne faut pas commencer un travail sans toutefois dire que j'ai, tu vas me payer comme ça. Donc, il faut d'abord discuter le prix. D'accord. Maintenant, la coiffeuse est libre d'accepter que oui, je vais coiffer maman welcome, même comme elle n'a pas l'argent qui suffit, je vais l'aider. Et après maintenant, soyons aussi, nous les clientes aussi, soyons honnêtes, que quand elle aussi, elle finit, tu lui donnes, parce mm-hmm. qu'elle aussi, elle vit de ça. D'accord. Ouais, elles doivent aussi être gentilles. D'accord, les clientes. Ouais. Germaine Kwambo, bonsoir Tata Julie et aux charmantes dames sur le plateau. Très bon thème, Julie, concernant le commérage dans les salons de coiffure, surtout si tu es nouvelle dans le secteur ou le quartier. Je dirais que c'est une cellule d'anti-gang, hein, Matata. Ça te permet de savoir te comporter avec qui tu peux fonctionner. D'autre part, ce n'est pas normal de s'occuper de la vie des gens. Car pour peu d'avoir donné ton opinion ou fourré ton nez dans un débat, tu es recherché de venir témoigner lorsque ça tourne au vinaigre. Pour pallier à ce phénomène qui prend tellement d'ampleur et que même la gente masculine risque de damer le pion à la gente féminine, éduquons nos enfants à ne pas s'occuper des affaires d'autrui, ne pas les encourager dans le colportage, plus connu sur le nom du Congo-Sa. Il n'y a plus assez de temps pour vous permettre de conclure, de donner votre point de vue. Pour sortir, on commence par vous, Stéphanie. Voilà. Stéphanie, oui, Julie. Le conseil, qu'est-ce qu'on retient? Bon, déjà, peut-être aux coiffeuses. Par exemple, si une cliente arrive, parce que moi, je le dis toujours, peut-être par naïveté, mm-hmm. parce que normalement, la coiffeuse n'est pas la personne indiquée pour raconter mm-hmm. ses problèmes. Mm-hmm. Maintenant, par naïveté, d'autres le font. Mm-hmm. Et si elle le fait, bah, elle peut garder pour elle et ne pas aussi raconter aux autres. Mm-hmm. C'est ça. Et aux femmes aussi, je dirais, de ne pas aller dans les salons, vraiment exposer leurs problèmes de couple ou bien aller dire... Donc vous reconnaissez quand même qu'il y a des femmes qui exagèrent quand même. Oui, mais voilà pourquoi je dis par naïveté. Mm. D'autres le font. C'est ça, parce que normalement, ce n'est pas le lieu ni l'endroit indiqué. Mm. D'accord. Merci à vous, Stéphanie Fomiwa. Vous êtes un bon retour. Merci. Et on dit bonsoir à tous ceux qui nous regardent depuis le quartier IAI à Libreville, au Gabon. Juste à côté, Corinne Niato. Corinne, pour sortir, qu'est-ce qu'on retient de l'ambiance dans les salons de coiffure et pour tout ce qu'on observe comme dérapage et tout. Pour sortir, j'aimerais d'abord préciser que j'ai beaucoup de respect pour mes clientes, pour les clientes en fait, en général en fait. Parce que quand, si vous ne venez pas vous coiffer, on ne va pas manger, on ne va pas nourrir notre petite famille. Donc du coup, quand vous arrivez, sachez que tout n'est pas bon à dire. Il ne faut pas vous mettre à raconter vos histoires de couple aux coiffeuses. On n'aime pas entendre que tu as fait des problèmes avec ton mari. Nous, on n'aime pas entendre ça. Et du coup, parfois, même si tu écoutes certains trucs et que tu répètes, ce n'est pas parce que tu veux répéter. C'est juste que parfois, tu peux t'ennuyer avec quelqu'un et tu te mets à raconter ce qui s'est passé. Prenez le avec... sujet de quelqu'un d'autre. Voilà, la vie de quelqu'un d'autre. La vie de quelqu'un d'autre. D'objets. De commentaires. De commentaires. Et tout. Mais ce n'est pas pour dire que tu en veux à ta cliente ou bien que tu n'aimerais pas que ta cliente revienne. Ouais. Donc, les coiffeuses ne sont pas les commères, comme on dit. Elles ne sont pas les mamies congossa. Les coiffeuses ne sont pas les mamies. On est là, on vous écoute seulement. On est à votre petit soin, comme on dit souvent. D'accord. Billy, welcome. Oui, maman. Moi, je peux seulement dire aux coiffeuses d'être professionnelles et d'éviter vraiment. Parce que quand quelqu'un sort de sa maison, peut-être en sortant, elle a ses problèmes, les multiples problèmes dans la tête. Elle se dit qu'en te disant, tu vas lui venir en aide pour les conseils. Et plutôt, c'est le contraire. Il faut être professionnel, surpasser de ça, vraiment monter sa valeur. Parce que quand tu fais, tu rates un client, deux, trois, quatre, on te gâte le nom, ce n'est plus, tu n'as plus la valeur. Même si tu passes là, on te doit partout. Mmh. Et à nous, les clients, quand nous partons là-bas chez nos coiffeuses, essayons aussi de se comporter. Essayons, on ne dit pas ses secrets à n'importe qui. Ce n'est pas bien. Même si c'est ta propre sœur même, il y a les choses où tu dois peser, savoir comment faire pour lui dire. Parce que tu ne sais pas comment le jour se lève. D'accord. Il y a l'esprit de la jalousie qui règne dehors. Je vous remercie. Merci à vous, mesdames, pour vos participations. Merci à Danica Moussongo, qui était là la première partie. Merci à la grande équipe
conduite par François Dikoumé. N'oubliez pas la rediffusion jeudi à 15h et samedi à 11h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Vous le savez, ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.